Dans ce port, nous étions des milliers de garçons. Nous n'avions pas de cœur à chanter des chansons. L'aurore était légère, il faisait presque beau. C'était la première fois que je prenais le bateau. L'Algérie, écrasée par l'azur, c'était une aventure dont on ne voulait pas. L'Algérie, du désert à Blida, c'est là qu'on est parti jouer les petits soldats. Au balcon, séché draps et serviettes, comme en Italie, on prenait des vieux trains à banquette, on était mal assis. L'Algérie, même avec un fusil, c'était un bon pays. L'Algérie, ce n'était pas un port à faire du mélo. Et pourtant, je vous jure que j'avais le cœur gros. Quand ils ont vu le quai s'éloigner, s'éloigner, y'en a qui n'ont pas pu s'empêcher de pleurer. L'Algérie, écrasée par l'azur, c'était une aventure dont on ne voulait pas. L'Algérie, du désert à Blida, c'est là qu'on est parti jouer les petits soldats. Nos fiancés nous écrivaient des lettres avec des mots menteurs. Le soir, on grillait des cigarettes afin d'avoir moins peur. L'Algérie, même avec un fusil, c'était un beau pays. Un port, ce n'est qu'un port, mais dans mes souvenirs, certains soirs, malgré moi, je me vois revenir sur le pont délavé de ce bateau prison. Quand Alger m'a souri au bout de l'horizon, l'Algérie, écrasée par l'azur, c'était une aventure. Je ne voulais pas. L'Algérie, du désert à Blida, c'est là que j'étais parti jouer les petits soldats. Un beau jour, je raconterai l'histoire à mes petits-enfants. Du voyage, notre seule gloire, c'était d'avoir 20 ans. L'Algérie, avec ou sans fusil, ça reste un beau pays.